Là, tiens, pas de shooter. Bien. Là. Ok, en place de shooter. C'est le travail qui continue. Hein. Je pense que après la CAN, on a pris quelques jours de repos et puis voilà, le travail continue. Je pense qu'on est en train de, on continue de voir au niveau local. On cherche encore des gardiens de but. Donc là, c'est la sélection du CHAN. On a essayé de trouver les meilleurs gardiens de la place actuellement. Et on essaie de travailler avec eux pour voir un peu ce que tout ça va donner. Physiquement, c'est un peu court pour eux parce que c'est quand même le début du championnat. Et c'est un peu difficile. C'est encore un peu lourd dans les jambes, dans les bras aussi. Mais tout doucement, je pense qu'avec le temps, on va continuer à travailler et puis les choses vont venir. Mais pour le moment, je pense que le niveau est quand même acceptable. Toujours les mêmes problèmes de base. Hein. Je pense qu'on a un gros problème au niveau de la formation ici en Côte d'Ivoire. Parce que la plupart de nos gardiens de but ils n'arrivent pas vraiment, ils n'ont pas fait toutes les catégories possibles de formation chez le gardien de but. Alors ils ont pour la plupart été parachutés tout de suite là en équipe première et c'est arrivé en équipe première qu'ils apprennent réellement le métier de gardien de but. Alors donc nous on est là pour essayer de corriger certaines choses et puis leur apporter vraiment la base pour qu'ils soient vraiment performants pour la suite de la compétition. Ils doivent savoir d'abord que c'est l'équipe nationale, c'est différent de ce qu'on voit en club, c'est différent de ce qu'on voit en championnat. C'est des matchs qui sont vraiment très très difficiles, surtout mentalement. Parce que là, il faut être présent à tout moment et très concentré sur tous les ballons du début jusqu'à la fin du match. Alors donc, et tout ça, ça s'est fait dans la formation. Et aujourd'hui, on est en train de leur donner vraiment une base. Et je suis sûr que d'ici peut-être un an, deux ans, on trouvera des gardiens de but vraiment capables de jouer pour les différentes catégories d'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour le moment, on continue le travail et on espère en tout cas qu'il soit prêt pour le Niger. Mais pour le moment, tout ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il rentre bien dans le système, il rentre bien dans la chose, dans la formation, dans les entraînements. Ils suivent bien, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas prêt lors du match du Niger.